Salut, c'est KMLF, on est sur God Mode. Je refais une tentative de me farcir la forteresse en difficulté augmentée. Et donc j'en ai plein le derche, parce que la dernière fois j'ai fail, je suis mort comme un boulet. Alors là, je suis chaud! That new boy band album came out today, and man, you're excited! You finished downloading the tracks onto your music player and hit the streets, walking and bopping along. That glorious music pours through your ear holes, and as the chorus hits you, you begin to sing along, stopping in the middle of the street to really belt out those lyrics. And as you close your eyes and tilt back your head to hit that magnificent high note, you fail to see that grand piano smashing you to smithereens. Wasn't the sort of accompaniment you were hoping for. Quelle connerie, quelle connerie. Alors oui, j'ai encore un peu modifié mon apparence parce que ma dernière défaite m'a donné assez de thunes et d'XP pour pouvoir faire le con. Alors je me suis mis un petit chapeau haut de forme et j'ai un nouveau pantalon, hein. Bien swagant. Et boum! T'as voulu m'attaquer mais je t'ai buté, moi. Crevez, bande de squelettes à la con. non, tant que je... C'est le pire, hein, ce serait de revoir les mêmes malus. Ah, magicien, je déteste la magie. C'est d'ailleurs le titre de la dernière vidéo, hein. Boum, bam, badébim, bam. Putain, avec ça, il m'a touché l'autre enfoiré. Oh, l'autre. Allez, donne-moi un bon bonus, s'il te plaît. Fif. Oh, fais chier. L'autre qui vient de taper dans la cloche. Je sais toujours pas à quoi sert cet enfoiré là. Ah putain, j'ai besoin d'une armure. Oh! C'est chaud là, mais c'est pas passé loin. Les ennemis m'ont largué du loot, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Ah fuck, je suis à sec. C'est là que t'es content d'avoir une deuxième arme. Hein. Des balles! Et un healer. Attends, il a explosé contre mon bouclier? Je savais même pas que ce truc pouvait faire ça. Oh, c'est un kamikaze, ça. Ouais, bah d'accord, je suis bête. C'est parce que c'était des kamikazes qu'il a explosé. Pour l'instant, ça va, je gère, hein, mais je suis tendu quand même. Je tue la connasse volante qui pond ses saletés.
Et je les entends qui sont à mon derge là. Test of fame. Ouh. On va faire le plein hein, avant d'aller faire la zone d'après parce que sinon je vais en passer l'arme à gauche, moi tout ça, hein, bordel. Bon bah armure et tout, ça m'a l'air bon. À l'assaut. La fameuse forteresse, je la déteste. Putain, ce que j'en ai déjà chié sur la partie précédente là. Sanctuary. LOL. Au moins c'est un malus qui est pas trop dérangeant. C'est moi ou je me suis mis une flèche dans l'oignon? Merde, j'ai dépensé une méga armure sans vouloir. Les magiciens sont là. Oh patate. Faire ça mieux que la dernière fois. Ce coup-ci, je crève pas. Putain, arrêtez de gigoter, bande de squelettes à la con. Oh, le v'là, lui. Eh, hey, boum! Ce coup-ci, tu m'as pas eu, salopard. Et bim. Ah, il est. Oh, je suis à sec. Oh, fuck, qui m'a pris par derrière. Putain, les saligots, quoi. Ça va, ça roule pour l'instant. Ça se passe déjà mieux que la dernière partie, hein, parce que ici j'avais déjà. J'avais déjà perdu 2 vies ici, enfin, la dernière fois, j'avais fait de la merde. Tu vois le loot en plus qu'il y a moyen de choper ici, j'avais vraiment fait n'importe quoi. Et boum! Putain, je suis content parce que je te jure, la dernière fois là, ça m'avait fait chier un truc de dingue! Truc de dingue!
J'étais là en mode en train de crier comme un naze et tout, à en prendre plein la tronche. Ça, c'est fait. Et j'étais là, putain de merde, j'ai ragé comme une troll, puis à la fin, j'ai eu que des malus de merde, et c'est ça qui m'a fait perdre. Alors là, je me rattrape, hein, je fais une meilleure game pour l'instant. J'ai toujours toutes mes vies, ce qui est très bien, parce que dans ce jeu, franchement, les vies, quand t'arrives vers la fin sur le boss, tu te rends compte que c'est vraiment utile, en fait. quand t'es gangbang de tous les côtés, comme ça. Allez, donne-moi un truc bien. Encore ? J'ai déjà eu ça la dernière fois. J'ai pas de bol hein, sur ce level, hein. Enfin, parce que de la merde. Il y a des games que j'ai fait hein, sur God Mode où j'ai que des bons trucs, missions à finir et tout. Là, celle-ci, sur la forteresse, j'ai que de la merde. Que des négatifs, des trucs inutiles et dérangeants. Oh putain, le healer là-bas. J'ai du loot, parce que c'est vrai que ça c'est le pire, c'est quand t'as pas de loot, t'en prends plein la gueule et tu sais pas recharger ta santé ni rien, donc c'est la merde. Avec ça je suis encore dans cette merde de linceul alors que je dois faire péter les œufs, c'est naze. C'est naze, parce que dans cette zone, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres vidéos, il y a des œufs un peu partout, et il faut les péter sinon ils éclosent. Enfin, ces œufs là, tu vas le voir dans le linceul, donc, doucement. Et ces œufs donnent des petites saloperies fluorescentes. Bon, après, on les voit facilement, les trucs qui en sortent. C'est chiant, ça fait quand même des ennemis en plus. Tu vois, ce machin-là, là, qui fluor. J'ai les grands enfoirés volants qui m'attaquent. Coup de pied dans ta face! Génial, c'est des kamikazes ces petites merdes. Je m'en étais pas rendu compte avant. Mais voilà l'enfoiré qui les pond. Putain, j'ai voulu lui mettre un coup de pied. Réflexe comme ça, quoi, mettre un coup de pied dans un kamikaze. C'est débile. Saleté 2. Merde, il a éclos. Une statue qui balance des bombes. Boum. Le pire, c'est qu'avec ce linceul, je suis obligé de mitrailler dans le tas sans réfléchir. Je sais qu'habituellement, c'est ce que je fais, hein, toujours, je mitraille comme ça, en mode loin, en mode rien à foutre. Mais là, là, c'est vraiment ça, quoi. Là, je tire vraiment en mode, ah, il y a des haches qui viennent de là, quand les ennemis sont là. J'avance dans le truc, un peu à la roulette, là. Ah, voilà, bordel. Je vous jure. Bon, c'est là que les Romains s'empoignèrent de mourir. J'envoie mon testament. Ok. Bon, qu'est-ce que je vais me rassembler comme malus ce coup-ci, hein. Life. Lol. Oh, faut que je me barre de là. Sinon, je vais me faire gangbang.
Le truc qui est chiant aussi avec cette zone, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... un moyen de se mettre à un endroit à l'abri parce qu'il pop vraiment de partout, en fait. Il n'y a pas moyen, genre, de faire comme les autres maps où tu te mets à reculer tout le temps et à tirer derrière toi. Parce que sinon, c'est pas possible parce qu'il pop de partout, quoi. T'es continuellement encerclé par ces enfoirés. Et comme à chaque fois les magiciens, eux, pop dans des endroits inaccessibles à la con, c'est super chaud de les shooter. Et quand le boss va rappliquer, ce sera encore plus marrant. Je déteste la magie, moi. Pour répondre à l'enfoiré de Hades qui parle. Oh, génial! C'est déjà ça la dernière fois qu'il m'avait tué. Ouh, une bombe! J'y fais gaffe, hein, parce que la dernière fois, je me suis dit que c'était pas trop important et je me suis dit qu'elle allait pas me tuer. C'est ça qui m'a tué, donc... Allez, vous voyez, franchement, vous laissez me dire que les bombes tombent pas exprès sur ma gueule, hein. Elles tombent à rack à chaque fois. Eh, mais ici, les bombes sont pas censées tomber, vu qu'il y a le plafond. Je vais rester là, moi. C'est peut-être pas une très bonne idée parce que les ennemis viennent, mais au moins, je me ramasserai pas les bombes sur la gueule. Bon, je vais un peu m'occuper du boss maintenant que j'ai un peu la tête de ses sbires. Foiré de boss. Un boss magicien, ça c'est vraiment une saleté. Parce que les magiciens dans ce jeu, c'est le truc que tu détestes le plus. C'est surtout les healers, en fait, parce que des fois ils sont mis super en chemette, alors t'arrives pas à les toucher de là où t'es, et ils réaniment un max d'ennemis, alors c'est la merde. Mais d'ailleurs, même le jeu il te le dit, ça fait comme des... Allez, comme des rats et tout ça, c'est de la... Si tu tues pas les healers, c'est la merde, tu vas en ramasser plein la gueule. Vous voyez, maintenant que j'ai tué les sbires, ça va encore bien. Bon, là, c'est le moment chien où il se duplique en 3. Et je vais avoir besoin de santé, moi. Faire gaffe aux bombes. Oh, patate. Oh, patate. Oh, 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 oh. Absolument une armure. Et une habitude négative que j'ai pris en jouant à des jeux comme Borderlands, c'est de me dire que ma santé remonte parce que je réglais toujours mes personnages comme ça. Dans ce jeu, comme la santé remonte pas, si t'as l'habitude de te dire c'est bon, ça va aller. Oh putain, oh putain, oh, 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 oh. Vite, vite, vite. Si t'as l'habitude de dire ça va aller si j'esquive pendant un petit moment, bah non, parce qu'en fait ta santé ne remontant pas, bah si t'esquives pas, si tu vas pas rechercher de la santé, tu crèves. Et donc vous voyez comme j'en prends plein la gueule là, ouh, plus de dégâts, génial. Je me prends que des malus sur cette game. Oh putain, c'est encore trop chaud, hein. Putain, je peux le faire sans perte de vie, c'est possible ou pas? Ouais, parce que ça va, j'ai encore 3 vies, hein, mais putain, j'aime pas, moi. J'aime bien faire ça propre, hein, sans perte de vie, là. Et c'est vachement plus chaud que ça en a l'air, hein, parce que... On pourrait peut-être se dire, oui, monsieur lui, il fait pas attention, il arrête pas de courir à gauche, à droite. Mais vous vous rendez compte des dégâts que ces enfoirés me foutent? Regardez toutes ces têtes, là, c'est des bombes, hein, ça. Comme ils sont à 3 à me les balancer, bah c'est tout bonus, hein, bordel. Et y a toujours pas de loot qui a popé pour la santé, donc je prends cher.
Ah, patate. Ah, merde. Et voilà, vous voyez, j'ai pris deux petites bombes en chemette pendant que j'étais en train de courir. Ah. Allez, j'ai tué un de ces duplicata. Maintenant que je peux me concentrer sur lui, je lui fais plus de dégâts à cet enfoiré. Ah, il s'est redupliqué. Ouh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu pile poil avant de mourir. Vous avez vu le bol? Allez, je vais banquer bol les thunes. Oh la vache, quand même. Le truc. J'ai eu du pot. En tout cas, merci d'avoir regardé ce petit gameplay. J'ai enfin réussi. Je vais évidemment faire la suite. Donc, je vais aller me taper le niveau suivant en difficulté augmentée. Hein, parce que, enfin, je vis là. Donc, je ramasse des thunes pour pouvoir améliorer mon stuff. Parce que, normalement, avec un peu de bol, j'ai gagné assez d'XP pour pouvoir augmenter un peu plus mes capacités et tout ça. Et donc, encore une fois, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, passez une très bonne journée, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, hein, la publier ou à vous abonner à ma chaîne ou à mon Facebook. Aussi, allez voir hein, la chaîne de Azilium, de Ninjek et celle qu'on a fait en groupe, je vais mettre les liens maintenant, il y aura sûrement des annotations hein, pour si vous avez envie d'aller les voir, parce qu'on se marre, on fait les cons sur Bazooka, mais tout ça, et si ça vous intéresse, allez les voir parce que c'est bien fun. Et même moi qui suis dedans, je me marre en faisant ces trucs-là. Et donc, voilà mon score. En tout cas, encore une fois, bonne journée. Salut les mecs et les filles. Bisous.